Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que ça va être un unboxing de DP. Mais voilà, j'avais envie de vous partager d'abord mon premier diamond painting, donc c'est un qui vient de chez Action. Donc c'est un 40 sur un 30 sur 40. Du coup, là c'est marqué 32 sur 42. Donc j'ai mis à peu près je dirais 3 semaines à le faire, mais je le faisais pas tous les jours, je le faisais vraiment quand j'en avais envie. Du coup, ben, je remercie la personne qui m'a initiée au diamond painting parce que j'en voyais partout, je me disais oh, ça a l'air assez chouette à faire, et etc. Donc, du coup, ben, voilà, je me suis lancée. Je me suis lancée et j'ai vraiment adoré faire cette toile. Donc, elle vient de chez Action, elle a coûté 5 euros. Donc, voilà la boîte. C'est dans l'édition, on va dire ça comme ça, dans la collection Shiny et Néon. Après, j'ai vu récemment qu'ils faisaient des 50 sur 60 au Action. Donc, ça peut être intéressant. Faut voir les modèles parce que, ben voilà, ça. À la fin, quand vous avez fini, c'est censé quand même aller sur vos murs. Donc voilà, hein. Du coup, avec ça, vous avez une palette et un stylet. Et donc pour toute cette toile, j'ai utilisé même pas un. J'ai utilisé un quart. Bon, ça ressemble à un vieux chewing-gum maintenant. Mais voilà. C'est vraiment, je me disais, ouais, ils en ont mis deux, la toile, elle est quand même assez conséquente. Oui, je vais m'en mettre à mesurer parce que, du coup, la mesurette, elle fait vraiment 30 cm sur 40. Donc, voilà. Commençons, on va mettre, voilà, le mettre ruban et il fait bien 40 cm. Bon, à 1 mm près, hein, mais on va pas râler pour ça, n'est-ce pas? Et là, elle fait 30 et demi, plus ou moins, ouais. Mais bon, elle fait bien 30 cm sur 40, donc Action ne ment pas sur son emballage. Qu'est-ce qu'on va voir avec les autres toiles que j'ai achetées, hein, parce que il y en a qui sont assez petites au final. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo va vous plaire, hein, parce que voilà. Je suis désolée pour les bruits d'emballage qu'il va y avoir pour celle que j'ai reçue du site Joom, qui m'a du coup été recommandée par la personne. Par la personne qui m'a fait découvrir le diamond painting en premier sur Discord, hein. Du coup on commence à en parler un petit peu, donc pour les diamanteuses ou les diamanteurs, hein, c'est pas qu'un truc de filles, vous n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est dans la description. Donc du coup, dernier aparté pour Action, c'était dans des sachets comme ça, pas refermables, donc voilà, j'ai vu que dans les autres que j'ai reçus, j'avais des refermables que je préfère. Et donc on voit quand même que là, sur tout le rose, j'ai encore énormément de perles. Et c'est le cas pour pas mal de choses, hein. Ça, par exemple, c'est le bleu où j'avais deux sachets. Et il me reste énormément, mais énormément de perles. Et c'est oufissime, hein, ce qu'ils en donnent. Donc voilà. Franchement, je suis assez contente. Si vous avez des questions par rapport à mon ressenti sur le diamond painting, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et j'y répondrai avec plaisir. Donc la première toile que. Enfin, du coup, la deuxième toile que j'ai achetée et que je vais vous présenter, c'est celle-ci. Celle-ci vient d'un marché. Donc le marché normal, hein, que vous avez normalement chaque semaine chez vous. Et du coup, elle fait 46 sur 56 cm. Donc c'est censé être une 50-60. Du coup, je vais mesurer. Voilà. Bobette. Et elle fait entre 39,5 et 40 de large. Et en longueur, pop, 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 elle fait 50 cm. Donc, c'est une 40 sur 50. Ils annoncent 50 fois 60. C'est un peu de l'arnaque, les gars, hein, parce que bon, bah voilà. Et donc, sur cette toile, j'ai 27 couleurs. 27 couleurs, ça me. Oui, j'ai pas dit combien j'en avais sur cette duaction parce que j'ai oublié. J'ai complètement zappé. Je suis désolée. Donc, celle-là, j'ai déjà préparé. Alors, quand je dis préparé,
Par rapport au fait de l'avoir parce qu'elle était enroulée, donc on va voir sur les autres, c'est un bon béton à travailler quand elles sont enroulées. Donc je l'ai mise avec des livres dessus. Je ne sais pas si vous avez. Donc je suis complètement novice, hein, donc voilà. J'ai plein de questions sur le sujet, etc. Donc n'hésitez pas. Hein. Mais bon, je l'ai mise sur des jeux de société, des livres assez lourds, comme ça l'aplatissait bien. Et donc. J'ai 27 couleurs. Quelque chose qui m'ennuie par rapport à celle du action où il y avait des numéros et des lettres, là il y a des symboles. Donc, ben, comme vous pouvez voir, les cheveux d'Ariel, c'est des cœurs, enfin des espèces de triangles. J'ai d'autres où c'est des, ouais, j'ai des zones noires où c'est des cœurs. J'ai des zones où c'est des X, des euros, des V, etc. Donc, moi je préférais vraiment le format de chez Action où j'avais les lettres. Parce que j'ai peur qu'avec du coup les symboles, ça me dérange un peu. Après, c'est du papier transparent, hein. C'est ce que je préfère d'ailleurs. Parce que du coup, bah, ça me permet de vous les présenter assez facilement. On va voir, j'ai ouvert un autre du site du coup. Donc, elle m'a coûté 10 euros. 10 euros pour une 40 sur 50. Oui, on va pas mentir là, le truc. 40 sur 50. Alors, à la base, elle était à 50, elle était à 15 euros. Et malheureusement, j'avais 10 euros sur moi, du coup, il restait plus que celle-là chez le vendeur. Et moi, je lui ai demandé s'il voulait bien me la garder le temps que j'aille à la poste parce que j'avais que 10 euros sur moi. Et du coup, il m'a dit, oh, mais c'est pas grave, prends-la à 10 euros. Et voilà. Ce qui est un très bon deal, hein, parce que du coup, bah, je vais sûrement y retourner pour acheter chez lui parce que bah, j'ai quand même mis 5 euros de réduction sur la toile. Elle me plaît énormément et je pense qu'elle ira sur la cheminée de ma chambre plus tard. Et donc, voilà, je vous la mets comme ça de côté, comme ça vous pouvez la voir en total, elle est juste magnifique. Et là, aucun ne bug pas. Donc voilà, j'ai reçu le stylet avec la coupelle et le truc rose, et du coup, j'ai reçu ça, hein, toutes les couleurs. Il y a énormément de sachets, comme vous pouvez voir. Je suis désolée pour les bruits de... Bah attendez, hop, ce que je vais faire, c'est ça. Voilà, comme ça je minimise un peu le bruit de sachet. Et du coup, je vais prendre ici des sachets. Et on voit ici, ben, par exemple, 27, 26. Ça va être chaud à les différencier. Hein, parce que du coup, la couleur 27, c'est un I. Elles sont assez similaires. Moi, personnellement, à l'œil nu, je vois juste que celle-là est un peu plus claire que celle-là, mais c'est tout. Du coup, voilà, c'est dans des petits sachets refermables. Et j'apprécie énormément ça. Je ne sais pas si j'aurai des. J'aurai encore des perles en trou ou si malheureusement j'en aurai pas assez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'une fois que j'ai fini une toile, je vienne donner mon avis, enfin faire une petite vidéo vlog où je donne mon avis de comment ça s'est passé, est-ce que j'ai aimé par rapport aux perles, qu'est-ce qui restait justement, etc. Mais en tout cas, voilà pour la première toile. Et je vais vite retirer le son, le temps de remballer ça. Voilà, donc du coup elle est emballée dans un long sachet en plastique. Voilà, et je vais venir la mettre sur le côté. Ouf, oui, du coup le Diamond Painting, malheureusement ça fait bugger la webcam. Du coup, j'ai commandé sur le site Joom. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc ça arrivait dans. Enfin, j'en ai commandé 3, j'en ai eu pour plus ou moins 30 euros et quelques en tout. Je ne me souviens plus exactement des prix que j'ai payés. Du coup, je suis désolée, vous allez voir ma souris. Je vais vite retourner sur le site. Donc, du coup, j'ai commandé deux perles, deux perles, deux diamond painting avec, oh là là, avec des diamants ronds. Oui, j'ai du mal à, j'ai complètement oublié. Et donc là, on est sur une toile à 15 euros. Du coup, moi, enfin, elle est à 14 euros 49, mais on va dire qu'elle est à 15 euros. C'est à l'arrondi, hein, tout au final.
Je crois que celle-là, je l'ai eu moins cher que... Oui, je crois qu'elle était à 15 euros et que je l'ai eu à 14,49 € parce que c'était un... C'était une vente flash. Voilà. Et c'est pas le seul que j'ai eu comme ça. Du coup, nous avons 29 couleurs. Donc voilà, on a 29 couleurs. Et semblerait que ce soit que des lettres, à part un symbole carré et un symbole, le symbole dièse pour le blanc. Donc, nous avons la coupelle, je la vois ici à travers. On a des sachets de perles. D'ailleurs, il y en a pas mal. Et on va regarder un peu à quoi ils ressemblent. Je suis désolée pour les petits moments de blanc parce qu'en fait je coupe mon micro le temps d'ouvrir. Donc là par exemple on a tout ce qui va être blanc. Donc on a 3865 et on voit que ici le 3865 c'est celui-ci ici en bas et que c'est le blanc et que ce sera les dièses sur le truc. Donc c'est tout des petits, vraiment tout tout petits sachets entre eux. Je ne sais pas si ça se déchire. Il y a une prédécoupe, hein, mais ça se déchire pas. Donc voilà, une fille. Par contre, j'ai ceci. Donc, j'ai deux stylets. C'est sympa. Oh! Ok. Alors, je crois que j'ai compris, hein, mais je ne suis pas sûre. N'oubliez pas que je suis complètement novice en DP. Donc voilà, on a la coupelle, on a le truc. Ici, on a ça. Voilà, les deux petits trucs ici. Et par contre, de l'autre côté, je ne sais pas si. Mais je pense que je peux mettre plusieurs perles et les coller entre elles. Et du coup, là, j'ai un truc où je peux mettre sûrement trois perles. Et là, vraiment une très grande rangée. C'est très appréciable d'avoir mis deux stylets, je m'attendais pas à en avoir autant. Et comparé à ceux du Action, le tube du Action était vraiment rigide, alors que là le tube est assez souple. Il est vraiment très souple du coup. Voilà. Désolée pour le bruit. Comme ça je recolle. Je recolle et attention ma souris. Et je remets dans le sachet comme ça, je sais que ça vient avec cette étoile. Du coup, on va se regarder un peu le modèle que j'ai choisi. Et du coup, je le rappelle, c'est Sailor Moon. Pour ceux qui connaissent, ils ont refait un remake des anciens dessins animés. Et je pense que ça, ça vient du remake, hein, parce que voilà. Donc elle est. Bon, bah, elle a été pliée, hein, vu que voilà, mais je pense qu'une fois qu'elle sera plate, tout ira bien. Par contre, comparée à la toile de chez Action, celle-là, elle est vraiment très souple. Alors que celle du Action est un peu plus, je ne sais pas comment dire ça, dense, rigide, ce que vous voulez. Donc voilà, du coup, il s'agit de Sailor Moon en Sailor Moon et en Princesse Serenity. Il y aura des pétales. J'ai vraiment un petit stress au niveau du rendu du visage, parce que voilà, c'est quand même assez détaillé au final pour du DP. Et niveau des ronds, donc on voit vraiment le rond où on doit mettre la perle. Je sais, pense pas que vous verrez, hein, mais bon, c'est assez bien délimité. Après, oui, elles sentent un petit peu l'odeur de plastique, malheureusement. Et du coup, là, il y a marqué Fiyo Diamond Painting. Je suppose que c'est une marque chinoise. Je connais pas du tout. Et c'est avec un truc ici en comment dire? Comme ça. Après, ça a l'air d'être niveau du collant, ça a l'air d'être du double face. J'ai vu qu'à ce qui paraît, il y avait plusieurs façons de le voir. Et donc, je suis assez contente. Donc, celle-là, elle est à 15 euros. Et je rappelle sur ce site qu'il n'y a pas du tout de frais de port. Donc, vous pouvez juste acheter une toile. Ben voilà, par exemple, vous pouvez acheter cette toile-ci à 15 euros et avoir zéro souci au niveau des frais de port. J'ai été livrée en 15 jours.
plus ou moins, j'ai commandé. Bon, il faudra que je regarde après pour la semaine. J'ai commandé en fin juin et je les ai reçus le 14. Donc ça m'a mis 14 jours à arriver. Donc, du coup, après, j'ai commandé deux petites toiles. Donc, cette toile-ci, c'est une surprise. Eh oui. Du coup, elles étaient mises autour de ça. J'appréciais pour la protection. Après, ça n'a peut-être juste rien à voir. Hein. Mais voilà. Donc, il s'agit ici de ronds. De petits trucs ronds. Et c'est un souquine. C'est une toile Pokémon, du coup. Et on a pop, il y a là elles sont pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On a 19 couleurs, ce qui est pas mal pour une toile. Après, l'autre c'était une 40 sur 50. On n'a pas mesuré l'autre. Oh là là! Attendez, on revient sur la Sailor Moon. Et on l'a pas mesuré. Où est-ce que j'ai mis mon maître ruban? Voilà. Ça va pas? Pam pam pam, petite pomme, voilà, il est là, hop là. Donc, c'est une sur 50. Donc, on va d'abord mesurer est-ce qu'elle fait 50 cm. Et pas du tout, pas du tout. Elle est à 45 et demi, 45 et demi sur 35. Ouais, alors, vu la taille, je m'attendais vraiment à une taille comme ça. Mais franchement, les gars, c'est marqué quand même 40 sur 50. Yes. Le deal n'est pas là. Après, voilà. Est-ce qu'on peut vraiment chicaner vu le prix? Bon, vous allez me dire, elle m'a coûté aussi cher que celle qui était sur le marché que j'ai eu moins cher au final. Ouais, quand même, hein. Quand même, quand même. Après, vous allez me dire, c'est une tête chipotée. Donc, ici, on est sur une toile qui est censée être du 30 sur 40. Alors, moi, franchement, je pensais ouvert parce que voilà, je voulais voir un peu. On sait vraiment que c'était un peu plus grand, 30 sur 40. Voilà. Hop. Donc, quelque chose que j'aime pas, parce qu'il va falloir qu'on retire le plastique pour voir si, du coup, c'est correct. Et donc, je vais mesurer par rapport à ça. Et elle fait 35 et demi. Non, 35 et demi. Elle était censée faire 40. Je suppose qu'il manque 5 cm ici. Et ici, elle fait 26 cm. 26 cm, on n'est pas sur du 30 sur 40. Ok. Il y a ça ici, en fait. Et ils prennent la toile qui... elle fait même pas 40 cm pile. Donc, ils prennent la toile ici, en dessous. Et pas vraiment le dessin. Moi, ça me dérange un peu. Mais enfin, celle-là, elle coûtait 9 euros. Je l'ai eu à 8,67 € parce qu'elle est en vente flash. Donc les ventes flash sur ce genre de site, c'est on vous donne 2-3%, enfin quelques centimes en moins, pour dire de vous donner envie d'acheter directement et pas vous laisser réfléchir. Donc voilà, du coup pour ce qui est du dessin en dessous, je vais essayer de l'ouvrir. Enfin, le problème c'est qu'il est encore encoulé, hein, donc voilà. Et donc on a ici... Alors je ne vais pas la dérouler jusqu'au bout. Par contre, ouais. Voilà. Là, il y a une petite ligne de colle. Donc, si on la remet à l'endroit, elle est comme ceci. Par rapport au dessin ici, ça me paraît correct. Il faudra vraiment que je le voie quand je l'aurai terminé. Après, je ne sais plus combien de couleurs on avait dit. Il y a 20 couleurs. Pour ce qui est des numéros sur la toile, voilà. J'y arrive. Des numéros sur la toile, on voit un... Enfin, le problème, c'est que j'ai pas fait la mise au point. Genre, j'ai fait une mise au point manuelle comme d'habitude et j'ai pas pensé que je l'ai zoomé. Mais, oups, oups, oups. Ah là là, non, 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 colle pas sur mon bureau. Ok, j'espère que ça. Oh. Voilà. Hop. Je vais la remettre. Mais franchement, c'est pas mal hein, au niveau de la... D'ailleurs, il est... Voilà. C'est pas mal au niveau du marquage pour mettre les diamants. Et il est mieux que...
que la Sailor Moon. Voilà. Je suis vraiment désolée. N'hésitez pas à me blame dans les commentaires en disant mais ouais, c'est un peu nul. Écris peut-être ton texte à l'avance ou je sais pas, quelque chose comme ça. C'est ce que mon copain me dit quand je fais des vidéos. Bah, t'es au courant que tu ferais ton texte à l'avance, tu cafouillerais moins. Oui, je cafouillerais moins. Et donc, avec celle-là, il y a un stylet. Il y a un stylet, ce qui est pas mal en soi, hein, on n'en demande pas plus. C'est vrai que j'ai apprécié qu'il y en ait deux dans la Sailor Moon. Et du coup, n'hésitez pas à venir sur les lives parce que c'est celle-ci. Du coup, c'est celle-ci. C'est la prochaine qu'on va faire en live. Je pense qu'on en fera les jeudis. Et donc, dans celui-là, on a le même format du coup que la Pokémon. Et ce que j'ai apprécié qu'il n'y a pas dans la Pokémon, on voit ici, il y a des petits sachets en plus. On va l'ouvrir pour voir un peu comment ça se positionne à l'intérieur. Donc ça, c'est pour les carrés. Voilà, donc à l'intérieur, c'est des diamants carrés. Celle-ci m'a coûté 9 euros. 9 euros du coup, puis on n'a pas besoin de la mesurer. On sait qu'elle ne fait pas 30 sur 40, que enfin, elle fait 30 sur 40, mais sur l'extérieur. Donc, nous avons des chiffres et des lettres pour celle-là. Bah, tu nous présentes une émission? Non, pas du tout. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On a 20 couleurs aussi. 20 couleurs. Moi, ça me paraît un bon deal, hein, 20 couleurs pour ça. Et du coup, ici, on voit dans le sachet quelque chose que j'apprécie, qu'on n'avait pas dans les autres. Il y a ça. Donc, des sachets refermables. Et c'est la même chose que les autres. Hein, c'est des. On voit. Pas si on pourra voir, mais moi je vois que c'est des petits carrés. Tout petits. Oui, on voit hein, là sur le côté. J'ai jamais fait de carré. À ce qui paraît, c'est les plus durs. Enfin, c'est ce qui est le plus compliqué. Du coup, on a un gros pas de rose. Mais je pense que le pas de rose, je continuerai avec celui du Action. Jusqu'à temps qu'il soit vraiment inutilisable. Même si ça laisse un petit peu de résidu dessus. Du coup, j'avais préparé un couteau pour ouvrir la toile. Donc voilà. C'est bien, on a du truc, donc j'ai pu passer mon couteau dedans sans problème. Et voilà. Donc elles sont quand même bien emballées au final. Très bien emballées. Je ne sais pas du tout à quoi je peux m'attendre en l'ouvrant. Voilà. Hop. Mais j'apprécie vraiment le fait qu'il y ait ceci. Donc, il y a des élastiques aussi hein, qui l'entourent pour éviter qu'elle se détende pendant le voyage, ce qui est agréable. Mais du coup, le fait qu'il y ait ce petit boudin de polystyrène, ouais, je pense que c'est du polystyrène, enfin de mousse ou de polystyrène, ça fait en sorte que la toile s'abîme pas pendant le trajet. Comme on a pu voir sur la Sailor Moon où elle est pliée, celle du marché aussi l'était. Fou! Oh, par contre, l'odeur. Oui, je les ai ouvertes quand j'avais ma fenêtre ouverte pour les autres. Et du coup, là, j'ai quand même une odeur assez présente. Bon, par contre, voilà. Le problème, c'est d'unboxer ça comme ça. Ben, elles sont toutes enroulées. Voilà. Elle est complètement enroulée. Et donc, ça reste un peu complexe. Bon, je vais. Voilà. Voilà. Du coup. Hop. Ouais, je devrais même acheter des petits pois. Du coup, je vais ouvrir. Oh! En plus, c'est pire que de l'arnaque, hein, ça, parce qu'on voit quand même qu'il y a au moins un bon 2 cm. Ok, et je viens d'arracher une partie du truc. Il y a un bon 2 cm en dessous de la toile qui fait qu'elle sera encore même plus petite. Ça, les gars, j'apprécie moyen. J'apprécie moyen. Du coup, on voit Link, on voit la princesse Zelda. Je ne vais pas l'ouvrir plus que ça, mais au-dessus, c'est du rose. Du coup, voilà. L'odeur, c'est horrible. Sur le côté, on voit qu'il y a 1,5 cm de colle. Je suis un peu déçue hein, pour les 2 cm. Au final, elle est très jolie. J'espère que j'arriverai à la faire correctement. Il y a carrément ici, enfin, vous voyez un cadre autour qui va faire portrait. Donc voilà, ça je l'ai payé 9 euros.
Bon, bah, 9 €, moi ça me convient. En soi, elle me déplaît pas. Je vais juste la reprendre ici au-dessus. Et bien aplatir ma main en faisant des petits ronds pour éviter qu'elle s'enroule. Voilà. Bon, et du coup, là au-dessus, on va voir un peu au-dessus aussi si il y a ah ouais, non. Ok. Là, ça va. On voit ici hein, que comme ça, vous pouvez la voir en entier. Mais je suis désolée, j'ai peur de décoller complètement le plastique là et de ne pas savoir le recoller droit. Vu que là, ben, je suis toute seule. Et donc, là, on voit la Triforce d'Hyrule, les ronds au-dessus. On n'avait pas de ronds en dessous. Mais franchement, je pense qu'il y a. Même s'il est petite, je vous avouerai que moi, quand 30-40, ça me paraissait un peu plus grand que ça au final. Hein. Ça me paraissait. Enfin, aussi. En fait, je m'attendais à des aussi grandes que la Sailor Moon. Du coup, bah j'espère que ce petit déballage vous aura plu, hein, parce que voilà. Je pense que pour le diamond painting ici, je vais faire en sorte de faire celle-là en live. Par contre, je vous promets pas de la faire totalement en stream, parce que ben j'aurais sûrement envie d'en faire pendant que. Par exemple, ben oui, si vous nous suivez, vous avez vu qu'on fait du jeu vidéo, qu'on se partage la chaîne Twitch à deux. Ça, par contre, j'aimerais bien avoir peut-être vos retours à vous. Est-ce que vous préfériez que moi, je crée ma propre chaîne Twitch et que du coup, Youni garde celle qu'on a là, ou que je prenne celle-là et qu'il en prenne une autre, ça, on verra de toute façon. Mais est-ce que vous préfériez peut-être qu'on en ait une chacune et comme ça, ben, vous n'avez pas les notifs quand il fait du jeu vidéo. Mais voilà. Donc, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, j'aime vraiment bien le diamond painting. Je vais regarder le carré si j'aime bien. J'ai vu des sites où c'était pas très très cher. On les partage d'ailleurs sur. On les partage sur le Discord. On les met en épinglé. Donc, si vous voulez rejoindre le Discord, le lien est dans la description. Il faut juste que vous acceptiez les règles et qu'après vous preniez les rôles qui vous intéressent. Donc, on a le rôle jeu vidéo, on a le rôle loisir créatif. Du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre, justement, comme ça, ben, on peut parler tous ensemble. Et du coup, ici, c'est LCQZX, la marque. Et je vais regarder, parce que. Sur la Pokémon, est-ce qu'on avait ça sur la Pokémon? Non. Sur la Pokémon, on n'a pas du tout de marque. Ben, j'ai cru que c'était la même marque, parce que, du coup, ici, on a le même papier. Mais pas du tout. C'est pas du tout le cas. Donc, ben moi, je vais vous laisser là. Juste un petit aparté comme ça. Je pense que après, il faut les découper avec un ciseau, je suppose, et je les mettrai sûrement dans des cadres que j'aurai sûrement acheté chez Action parce que ça coûte pas très cher et il y en a de cette taille-là, donc ça sera parfait. Du coup, voilà, dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'une fois que j'ai fini une toile, je vous la présente enfin, je fasse une petite vidéo de 5-10 minutes pour vous dire mon ressenti par rapport à la toile, est-ce qu'au final je l'aime bien ou pas, etc. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou juste à mettre un petit like, comme ça ben, je saurai quoi. Enfin, moi je vous dis au revoir, bye bye et à très bientôt!